spécialiste dans l'ombre de beaucoup de maisons, puisque mon parcours a été un homme de l'ombre dans des grandes maisons de couture. Et Philippe de Verdieu est mon nom de création depuis 2005, date où j'ai créé Philippe de Verdieu et où la maison a existé, elle a pris corps à ce moment-là. Période où j'ai fait une transition entre Jean-Paul Gaultier et Yves Saint-Laurent. C'est Louis Leloup. Je suis artiste verrier et j'habite la Belgique à Liège. Toute la Normandie, c'est mon gros pays. Mon travail de modéliste est un travail de concept où je réalise en 3D, je reçois un croquis d'un créateur et je le rends palpable, c'est-à-dire j'en sors un patronage et on fait une toile qui est montrée, qui est montée et qui est essayée sur un mannequin vivant. Le vêtement prend vie entre le croquis et la silhouette. On établit directement une silhouette, on crée une allure. Je me suis servi des lignes de conduite de Gabriel Chanel ou de Cristobal Balenciaga, qui eux aussi connaissaient toutes les techniques, pouvaient monter et réaliser un essayage entier, pouvaient démonter une manche, la remonter, et c'était mon idée de départ pour établir cette marque de Verdieu. Philippe de Verdieu, c'est surtout des robes d'exception. J'essaie de travailler à la demande et je propose vraiment des services qui sont plutôt établis pour un besoin particulier, dans une circonstance donnée et avec quelquefois des vedettes qui me demandent de l'exception et de l'unique. Donc les matières sont toujours assez exceptionnelles. On travaille principalement sur des soies, des dentelles, du coton, mais toutes les matières les plus nobles possibles et c'est toujours dans la très haute gamme. Toute la technique se veut sur un produit de broderie qui sont souvent brodés à la main, avec des choses parfaitement réalisées, des choses maîtrisées. Et la haute couture, c'est un échange entre la technique, l'art et le résultat final qui doit être au plus proche du besoin de la cliente. Et quelquefois, les départs sont un besoin et à l'arrivée sont tout autres. Mais l'idéal, c'est que la cliente se sente bien dans le produit qu'on lui réalise et qu'on l'adapte à l'événement. J'ai créé quelques pièces qui s'accordaient avec l'ambiance de l'exposition. Donc les rompes de soirée. Donc j'ai créé quelques pièces uniquement pour venir ici. Et puis alors j'ai pris des pièces de ma collection, des pièces anciennes que j'ai gardées pour faire une exposition un petit peu différente. Je me suis inspiré vraiment de la femme, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Hein. Et puis après les autres pièces, je les ai pris qui correspondaient le mieux possible à la femme, la parente amoureuse, la femme couchée, beaucoup de pièces comme ça que j'ai amenées aujourd'hui. Alors je me suis inspiré des rompes. Ce qui rapproche le plus, ben, c'est la dame, c'est la femme, quoi. Voilà, alors ça n'a pas été très compliqué pour moi parce que ma lecture, c'est des revues féminines. Parce que dans les revues féminines, vous voyez toujours des belles choses, quoi, des belles rondes, des belles chaussures. Mais je lis beaucoup des revues féminines. Donc c'était un petit peu dans mon sentiment aussi. L'idée, c'était de faire chevaucher chaque tuile de soie et de faire qu'elle crée une articulation, en fait. Donc chaque lamelle est cousue les unes sur les autres, cousue à la main par des points et qui crée l'architecture de la robe. On est sur une structure très légère d'organza de soie et en fait, la matière se déploie et on a une multitude de tissus qui font qu'il y a un rythme, il y a une dynamique et en fait, toutes les pointes dentelles s'interfèrent et s'enroulent sur les lamelles. Là, je rends hommage à Christian Dior avec des robes roses, tout un thème de robes roses, avec une nouvelle technique où je pars d'un fil d'Ariane qui est un ruban de satin de soie qui a été posé à la main sur le buste. En fait, le ruban est en continu. C'est une histoire qui se déploie. Tous les points, ce sont des points de broderie en cordonnées de soie qui sont faits un à un sur la robe et qui rassemblent toute la broderie. Les cœurs de fleurs, ce sont des perles de verre. Et en fait, nous sommes dans une jupe de mousseline avec un fond de peinture en dessous.
L'impression arrive en dessous, il est voilé, discret. Ici, nous avons une robe en hommage au jardin, et particulièrement à une des fleurs de nos jardins, l'iris. En fait, elle est toute travaillée en gazard de soie, matière chère à Cristobal Balenciaga. Un gazard de soie qui a été travaillé en biais. Toute la matière est peinte à la main. Elle est ensuite travaillée en pétales qui sont coupés en biais et frangés pour donner les effets de pétales de la matière de l'iris. Tout est relié avec des résilles de perles pour avoir des parties cachées et des parties ouvertes pour créer la légèreté et faire que la robe soit mouvante comme dans un jardin. Tout le bas est de la poudre laque de soie verte, ce qui fait que la matière est élastique et en fait la personne qui la porte a une fluidité dans la marche, tout est en mouvement. En fait, c'est vraiment la fleur en mouvement complet. J'ai essayé de m'approcher parce que nous sommes dans une période où l'impressionnisme a été mis à l'honneur à Paris il y a quelques temps et partout. La région, en ce moment, rend hommage aux impressionnistes. Donc j'ai été inspiré par l'exposition Les impressionnistes et la mode au musée d'Orsay. Et j'ai voulu faire en sorte que tous les thèmes qui sont traités là dans cette exposition aient des traits de rapport avec les impressionnistes et la mode. Donc je rends hommage à Berthe Morisot, à Monet, Manet, Renoir, enfin tous les grands... et tout le thème de l'exposition est bâti autour de grands thèmes impressionnistes et en raccord avec les impressionnistes. Quand je suis entré pour emmener mes pièces, que j'ai vu l'ensemble, j'ai dit, j'ai bien vu, je pense que ça va bien s'harmoniser avec les robes.